Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour la découverte et le test du polygel. Donc, j'ai commandé le kit Modelones. Donc, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais pas si c'est Model Once la marque ou si c'est vraiment Modelones, comme dit MG Ganou. Donc, voilà, c'est sur sa page, enfin sur sa chaîne que j'ai découvert le kit qui m'a donné trop envie. Donc j'ai commandé le kit, comme je vous l'ai dit, dans la demi-heure. Donc je vous mets le lien de sa chaîne, de sa vidéo découverte. Comme ça, vous avez également le code promo. Alors, ce qui est génial avec son code promo qui donne 10% sur le site officiel de Modelones, c'est qu'en plus, il est cumulable avec d'autres codes promo. Donc vous avez déjà, si vous vous inscrivez à la newsletter ou si vous faites un compte, vous avez déjà un code de 10% plus le sien de 10%. Maintenant, il faut juste faire attention avec les frais de port. Par exemple, si vous prenez juste le kit, les deux ensemble font que vous n'avez pas assez pour avoir les frais de port gratuits. Donc, en plus du kit que j'ai payé à peu près, ça m'est revenu à 40$. Donc, ça fait 38 euros. Donc, ce qui est plutôt correct, vous allez voir pour ce qu'il y a dedans. Vous avez également les produits qui sont vendus sur AliExpress. Donc, je vous mets en barre d'infos le site de la boutique officielle. Le kit n'y est pas, mais les produits sont quand même un peu moins chers. Voilà. Et en plus de ça, si vous commandez sur le site officiel, en plus des 10%, vous avez à chaque fois des petites vignettes à choisir suivant le montant de vos achats pour avoir des cadeaux. Ça peut être des réductions. Donc, j'ai une réduction de 2$ en moins. En plus à ajouter quoi, donc voilà, c'est 2$, mais c'est toujours bon à prendre. Et en plus j'ai eu 3 cadeaux. Donc j'ai d'abord eu une crème pour les mains, donc de la marque, voilà. Donc je n'ouvre pas, je ne la teste pas, puisque comme je suis pas adepte des crèmes pour les mains, je vais vous la mettre dans le lot du concours que je vous prépare pour Noël. Je vais vous faire il y aura 2 concours en fait à Noël, et je vous en ferai un spécial ongles où vous aurez tout pour faire les ongles en acrylique. Et je pense que si ce kit me plaît, j'essaierai de vous faire plus tard un concours avec le polygel de la marque. Voilà, donc j'ai eu une crème pour les mains, donc il y a quand même dedans 90 grammes, donc voilà, c'est à peu près un 100 ml, quoi. J'ai eu également un kit avec du matériel pour les ongles, donc vous avez 2 stripping tapes, pareil, un doré, un argenté, donc comme je ne suis pas adepte, ça ira dans le lot du concours. Vous avez des removal dedicated. Donc c'est des patchs pré-imbibés pour enlever votre vernis semi-permanent. Donc comme il y en a dans le kit aussi, je vais vous mettre celui-là dans le lot du concours. Donc vous déchirez la bande, vous glissez votre doigt à l'intérieur, vous repliez les bords et vous attendez que ça agisse. J'ai essayé sur l'acrylique parce que je viens de déposer mon acrylique et ça n'a pas été super rapide, on va dire. Ça peut fonctionner mais c'est pas hyper rapide, mais voilà, si vous faites juste du vernis semi-permanent ou du gel, ça apparemment ça enlève aussi le gel. Il y avait également un repousse cuticule en métal, donc voilà, comme il y en a un aussi dedans, je vais vous le mettre dans le concours. Ça par contre je garde pour moi. Vous avez une lime à ongles, une 100-180 et un... Bah, c'est aussi une lime, mais plus épaisse, c'est un espèce de buffer, mais c'est aussi 100-180. Donc, il faudra que je teste ça. Et voilà. Et le dernier produit que j'ai eu gratuit, c'est un vernis. Alors, la boîte est holographique, voilà, je voulais laisser un peu pour vous montrer. C'est un vernis de la collection comme ça, en bois. C'est un top coat pailleté. Donc, je vous ferai les swatchs après, hein, à la fin de la vidéo, je vous ferai les swatchs de celui-là, plus des gels qui sont dedans. Mais voilà, vous pouvez déjà un peu voir, il est vraiment très beau. Il y a des grosses et des petites paillettes holographiques. C'est très joli. Hein. Après, le packaging est beau, mais pas très pratique pour mettre les petites pastilles de test. Donc je pense que je vais en coller une ici au-dessus quand même pour avoir la couleur. On va bien voir. Voilà pour les petits cadeaux. Donc bien sûr, j'ai eu les frais de port gratuits. J'ai commandé le 2, ma commande a été expédiée le 5 et on est aujourd'hui le 12. Voilà, et je l'ai reçu ce matin, donc ça a été très vite. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment c'est un site US et que ça a été livré de Chine. Donc voilà, celle qui n'approuve pas trop les produits chinois, hein, vous savez ce que moi j'en pense.
Mais voilà, donc après, c'est quand même une marque assez reconnue et je ne sais pas si c'est certifié CE ou pas. Je pense que tout n'y est pas. Donc, pour la découverte du pack, enfin du kit, par là, regardez-moi comme c'est trop beau. C'est trop beau, trop bien présenté. Donc, vous avez ici les petites lingettes pour enlever aussi le vermicelle. Vous avez ici les trois, donc c'est des 15 ml, hein, c'est vraiment très petit. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas trop aimer par rapport à l'acrylique, pour pas voilà, avoir envie de tester. Donc, vous avez du rose, du transparent, du blanc. Nous, on va tester le rose, comme ça, vous verrez mieux en vidéo, et moi, je verrai mieux aussi ce que je fais. Et voilà, donc c'est des tout petits tubes. Hein. Je vais essayer d'en sortir un, sans me péter les ongles, parce qu'ils sont hyper fragiles. Donc, il n'y a pas le truc... C'est en même temps, il n'y a pas grand chose de noté dessus non plus. Hein. Donc voilà pour les petits tubes. Vous avez un top coat et une base coat. Donc oui, parce qu'il faut une base. Il faut une base comme pour le vernis semi-permanent. Donc c'est une base à catalyser. Par contre, j'ai pas eu le mode d'emploi. Tiens donc. Vous avez ici 8 pots de gel, donc ils ont une texture assez spéciale, je l'ai vu sur la vidéo de Angie Ganou. Les couleurs sont très belles et je vais swatcher ça, donc je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en pense, mais ils ont l'air vraiment très beaux. Et en dessous, vous avez encore un étage. Donc vous avez d'abord un pack de stripping tape, je ne sais pas combien ce qu'il y en a dedans, mais il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense qu'il y en a 8 ou 10. Donc voilà, tout ira pour vous. Hein. J'ai juste gardé le blanc parce que le blanc, j'en ai pas. Et je vois qu'il y a une espèce de bronze cuivré que je n'ai pas non plus. Le noir, je ne suis pas sûre d'en avoir non plus. Donc je vais garder 2-3 couleurs, mais le reste ira pour vous parce que c'est pas ce qui me passionne le plus. Vous avez un petit carrousel de strass. Donc c'est des strass argentés avec différents diamètres. Il y a 3 diamètres différents, je pense. Ouais, on dirait. Donc ça, c'est toujours bien. Vous avez un petit kabuki trop mignon que tout le monde possède, enfin toutes les fois les ongles. Donc voilà, moi j'utilisais mon kabuki ELF, mais on va tester celui-là aujourd'hui, quoique j'ai pas besoin de faire mes ongles puisqu'ils sont déjà faits. Vous avez une petite lampe UV LED, donc c'est pas une très puissante, hein, c'est pas marqué dessus, en rose. C'est la Sun Mini de chez Liafu. Donc c'est une sous-marque de Model One, si j'ai bien compris. Donc ça, j'ai pareil, je la déballe pas parce que je vais vous la mettre dans l'eau du concours. Vous avez ici les pop-its, donc c'est les petites encoches en plastique, les petits tips pour mettre le produit dedans et l'appliquer sur les ongles après. Donc je sais qu'on peut aussi le mettre sur chablon ou sur capsule. Est-ce que je vais tester ou pas? Je ne sais pas encore, mais je ne pense pas. Je pense qu'on testera une prochaine fois. Mais voilà, vous avez les pop-its et il y a 12 tailles différentes. Vous avez un petit couteau pour les cuticules comme ça que moi je n'utilise absolument pas, mais que je vais vous mettre dans l'eau du concours. Comme ça, si vous l'utilisez, ben vous l'aurez. Donc du coup, il y a encore un repousse cuticule en métal que du coup je vais garder en backup au cas où j'abîmerai le mien. De nouveau une lime 180 et une petite pince pour l'espace qui a l'air de pincer un peu mieux que la mienne. Oula, focus ici, là, tu dois te concentrer ici, merci, là, allez, concentre-toi, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire, allez, voilà. Donc, une petite pince pour les strass, donc je vais voir si elle est mieux que la mienne ou pas. Et vous avez donc le pinceau pour appliquer le polygel, qui est un numéro 6, je pense. Hein. C'est 6 ou 9, ma foi, mais je pense que c'est un numéro 6, vu la taille. Donc, c'est ce qui vous permet d'appliquer le polygel dans les capsules. Donc, je vais voir un peu la taille de mes capsules et tout ça, et je reviens tout de suite pour faire le test avec vous. Voilà, donc comme j'avais pas le mode d'emploi fourni avec, alors que justement MJ Ganou disait que c'était trop bien parce qu'il le mettait à chaque commande,
Moi, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis retournée voir sa vidéo. Donc, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'elle explique super bien comment faire. Et j'ai été voir aussi celle de Melissa Easynates qui a fait avec celui de Ongle 24. Je vous en ai parlé donc dans mes chaînes YouTube préférées du moment. Donc, je vous remets ça, la vidéo, en petite fiche si vous voulez aller voir. Et voilà. Donc là, j'ai désinfecté mon matériel et mes doigts. Et je vais juste repousser un tout petit peu les cuticules parce que, bon, comme d'hab, j'en ai pas énormément. Mais c'est juste pour s'il reste un petit peu d'acrylique qui ne serait pas parti. Bien que comme j'avais des repousses de presque 3 semaines. Parce que oui, comme vous ne recevez pas... je poste pas les vidéos en même temps que je fais mes ongles, en fait. Donc, des fois, il y a un décalage. Donc, vous avez l'impression, des fois, que je les refais souvent. Je les fais, en principe, normalement, jusqu'à maintenant, je les faisais tous les 15 jours. Voire parfois une semaine. Parce que voilà, je voulais m'entraîner avec l'acrylique et tout ça. Là, je les ai laissés parce que j'attendais le kit justement. Et je vais vous montrer l'application du kit. Enfin, de l'acrygel. Mais je ne vous montrerai pas de nail art dans cette vidéo puisque c'est la prochaine. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo avec un nail art d'automne. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Pour ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà. Donc là, je vais juste passer un tout petit coup de bloc polissoir, mais vraiment juste au niveau des cuticules, où je viens de repousser les cuticules pour enlever le brillant. Voilà pour ça. Donc, on va quand même dépoussiérer un petit coup, parce que hein, j'ai eu le pinceau, autant l'utiliser. Et je pense qu'on est bon pour y aller. Donc, avant de mettre la base, je vais quand même mettre un coup de déshydratant et de primer. Parce que j'ai envie, voilà. Et que je préfère mettre tout de mon côté pour que ça tienne. Donc, comme je vous dis dans chaque vidéo, pour l'instant, mes produits viennent de chez NDED. Mais comme le site est fermé, je vous ai mis les liens de Ongle 24. L'avantage cette fois-ci, c'est que j'aurai pas de tips à enlever. Parce que c'est ce qui m'emmerde le plus quand je dois l'enlever. Et donc, on passe au primer. Et je vais donc mettre la base du kit. Donc, d'après ce que j'ai vu, il faut pas mettre une trop grosse couche, ça ne sert à rien. Alors, je sais pas si là, j'arrive pas à l'ouvrir. Il faut catalyser une minute, il faut mettre une fine couche, donc je vais commencer par le pouce. Voilà, je catalyse une minute. Une minute. Et ensuite je ferai les autres doigts ensemble. Voilà pour la base. Maintenant on va partir. Donc ça garde une petite couche collante. Je crois que c'est ce qu'il faut. On va passer à la partie un peu plus délicate. Donc je vais commencer avec l'index pour pas commencer avec le pouce. Comme ça, on voit mieux. Mon petit pot avec du cleaner dedans pour liquéfier le polygel. Donc, j'ai déjà préparé les pop-its. Donc là, j'ai pris un taille 5. Donc c'est pas les mêmes tailles que pour les tips. Donc il faut juste regarder que les cuticules soient bonnes et que ça vous fasse une belle ligne droite au niveau des parallèles là, puisque à l'intérieur il va y avoir le produit. Donc celui-là a l'air pas mal. Je prends le polygel en teinte pink, comme ça sera plus facile pour voir ce qu'on fait, hein, parce que sinon c'est pas gagné. Donc il y avait une petite opercule ici en aluminium de protection, mais je l'ai enlevé. Et on met directement dans le pop-it. Donc je sais pas du tout quelle quantité il faut, donc je vais l'utiliser pour couper. On en rajoutera après si il faut. Et je vais donc mouiller le pinceau qui est tout neuf, donc un peu raide. Alors il faut pas qu'il soit non plus trempé. J'espère que vous voyez bien. Peut-être le rapprocher un peu d'ailleurs. Et ensuite on lisse. Donc là il est peut-être pas assez mouillé quand même. On lisse le produit. Alors on fait attention qu'on est bien encore au niveau des cuticules et sur les bords ici. Donc je vais essayer de faire une couche assez uniforme.
Ouais, en tout cas, ça se travaille bien. Hein. Donc là, je pense que il n'y a clairement pas assez de produit, puisque l'épaisseur ne sera pas assez correcte. Donc je vais en rajouter. Alors après, il faut voir aussi avec la longueur. Là, ça sera un peu long, mais je préfère que ce soit trop long et puis les limer que les faire trop courts. Par contre, je veux du carré. Je vais les faire en carré cette fois-ci. Donc j'essaye déjà de donner un peu la forme. Enfin, ça sera un mélange entre carré et ballerine, je pense. Comme j'aime bien faire. Voilà. Ensuite, il faut poser le pop-it délicatement pour commencer au niveau des cuticules. Et on l'applique. On appuie un petit peu pour le faire tenir et qu'il soit droit ici, là, et on pousse au niveau des cuticules. Voilà. Ça, ça m'a l'air de pas trop mal tenir. Par contre, j'en viens qu'il tienne un peu plus au niveau des cuticules. Qui sort d'aide, le bazar. Ensuite, avec le cleaner, on enlève ce qui a débordé. Puisque forcément, vu que vous faites une pression, il y a du produit qui ressort. Et on relisse ici en dessous pour pas avoir à limer après parce que c'est limite impossible. Je sais pas pourquoi le pop-it il redescend vers le bas. Il veut pas rester enfin, il sort d'école au niveau des cuticules ici alors que normalement il est censé être bien collé et du coup ça me fait des bulles d'air. On va essayer de faire partir la bulle d'air. Non, ça revient. Donc, je vais essayer peut-être de faire une catalysation flash en enlevant la bulle d'air. Bon, il y a toujours une bulle dedans, je la vois. Donc on va quand même le catalyser et on verra après ce qu'on peut rectifier. Donc il faut catalyser 2 à 3 minutes au-dessus et en dessous. Et là, je sens que ça me chauffe un peu le bout du doigt, parce que j'ai certainement un peu de produit. Mais bon, c'est supportable, quoi. Donc voilà, après 2 minutes et 2 minutes de catalysation, je vois que j'ai complètement foiré, parce que là, c'est super épais. Voilà, j'ai pas assez lissé, donc ça ressemble à rien. Donc on va quand même essayer d'enlever le pop-it. Donc l'avantage, c'est que les pop-it, là, c'est réutilisable. Donc une fois que vous avez votre taille, vous pouvez garder ceux que vous avez. J'arrive déjà pas à l'enlever. Voilà. Par contre, oh, la forme est super belle. C'est... Oh là là. Bon, j'ai une bulle d'air dedans. Mais waouh. Bon, par contre, là, ça va absolument pas. Hein. C'est collé à mon doigt. Et tout, vu que j'ai dû appuyer dessus. Donc je pense que j'ai quand même mis trop de produit. Donc je pense que je vais essayer d'enlever. De l'enlever ou de limer, je sais pas, parce que voilà, ça me saoule, j'ai pas envie de remettre mon doigt 20 minutes dans de l'acétone pour l'enlever. Mais waouh, oh, ça fait une forme parfaite de l'ongle direct, quoi. Bon, pas en dessous. En dessous, c'est affreux. C'est collé à mon doigt. Donc je sais même pas. Oui, pour l'enlever, je sais même pas comment se confier. Donc celui-là, je peux définitivement pas le laisser comme ça. Ça a l'air pas vraiment sec en dessous, mais bon, en même temps, vu comme il y a une trop grosse épaisseur, c'est certainement logique. Mais waouh, j'en reviens pas. La forme, c'est super beau. Oh là là. Et puis c'est un peu long aussi, par contre. Faudrait que je les fasse un tout petit peu plus court. Bon, bah écoutez, je vais enlever mon caca et on va recommencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je peux de toute façon pas le garder, c'est collé à ma peau et tout. Ça fait un bloc en dessous. C'est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, par contre, waouh, je suis impressionnée. Parce que au-dessus, il n'y a même pas besoin de l'image pour rectifier, du coup, vu que ça a la forme du pop-it, quoi. Oh là là! Mais je comprends pas pourquoi, en fait, vous voyez quand je mets. Attends, il est où mon pop-it? J'avais donc le pop-it comme ça. Il faut le plaquer au niveau des cuticules ici, bien plaqué et appuyé.
et le laisser droit. Mais en fait, il remontait un petit peu en l'air comme ça. Donc j'ai essayé de garder le pinceau appuyé au niveau des cuticules pour le catalyser. Et du coup, ça a fait une bulle d'air à l'intérieur. Bon, après, la bulle d'air, je m'en fous, c'est à l'intérieur. C'est pas joli comme ça. Mais avec du vernis dessus, ça se voit pas, quoi. Donc ça me dérange pas. Mais alors, le fait que, du coup, ça a tout bavé ici, je sais pas si vous voyez. Mon pop-it, il tient tout seul, quoi. Donc voilà, je vais aller enlever ça. Donc je sais pas si ça part avec de l'acétone, d'ailleurs. J'ai vu que oui, et il y en a d'autres qui disent qu'on peut l'enlever qu'avec la lime. Donc je vais regarder pour enlever mon petit caca, et on revient pour recommencer, et on va bien finir par y arriver. Deuxième essai. Il y a plein de bulles d'air, parce que pareil, le pop-it a remonté, je comprends pas pourquoi il me fait ça. Mais à l'intérieur, ça a l'air un peu mieux. À part un peu ici, mais ça a l'air quand même un peu mieux. Donc, on va enlever le pop-it. Alors, la forme est toujours aussi belle, hein, au-dessus. Oh là là. Alors, en dessous, c'est un peu mieux. Il y a juste un tout petit peu ici encore. Juste un tout petit peu là que c'est revenu un peu sur le doigt. Mais sinon, ça va. Bon, on va le laisser comme ça, celui-là. Hein. À mon avis, il ne tiendra pas très longtemps vu toutes les bulles d'air qu'il y a dedans. On va essayer de faire mieux sur l'ongle après. Mais je vais déjà le raccourcir, hein, pour ne pas être emmerdé. Ouais, ici. Voilà. Et on va essayer quand même de le mettre un petit peu en forme. Donc je prends la lime Modelos. Donc je vais quand même essayer d'épaissir un peu le bout. Un petit coup de bloc polisseur pour bien me visser. De toute façon, il faut que je le griffe pour après mettre le gel de couleur. Et un petit coup en dessous parce que j'aime bien que ce soit bien lisse. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà mieux que celui d'avant. C'est un peu mieux quand même. Maintenant, il faut juste que je trouve l'astuce pour que le pop-it il reste bien. Parce que là, du coup, j'ai un peu bousillé la forme. La forme était plus jolie avant. Il reste bien à plat ici. Et que je puisse essayer de faire l'ongle presque à la bonne forme déjà tout de suite. Bon, après, pour les bulles d'air, on verra ce que ça donne. De toute façon, je vous tiendrai au courant de la tenue et tout ça sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Vous avez le lien en barre d'infos. Et donc, je vais essayer... Allez, soyons fous, nous allons attaquer le pouce. Donc, je dépoussière un chouïa, quand même. Le pouce, c'est celui-ci. On met donc le produit dedans. Alors, je ne sais pas combien de pouces vous pouvez faire avec ce qu'il y a dedans. On remouille les petits pinceaux et on étale. Après, ça aurait été trop beau que j'y arrive du premier coup. Hein. Pour celles qui ne me suivent pas, j'ai fait le test de l'acrylique également en vidéo. La première pose n'était pas top top. Et ça s'est arrangé au fil des applications. Et bien, ça sera pareil pour l'acrylique, enfin l'acrygène. Voilà, là je vais bien le plaquer. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. On y va. Mais là j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de produit. Si on va essayer, on va bien voir. Alors, là j'ai pas de bulle d'air. Hein ? Le problème c'est que j'en ai pas quand je pose. Là ça a l'air de tenir. Donc, je vais mettre mon doigt en dessous. Ça a l'air un petit peu mieux là, il n'y a pas de bulle d'air. Au niveau des cuticules, ça m'a l'air pas mal. Catalysons, catalysons. Alors, verdict pour le pouce. Nous allons enlever le pop-it. Voilà, alors ça c'est super joli. Il y a une petite bulle d'air là, mais quand même vachement moins que de l'autre côté. Là, je vais pouvoir le laisser comme ça et juste refaire la forme correctement. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je vais juste couper
le bout ici qui dépasse et limer le reste. La longueur est pas trop mal. Écoutez, on va dire que c'est pas mal. Après, ça me colle sur le bord des doigts. Alors, certes, c'est toujours pas parfait, mais je trouve que le résultat est plutôt pas trop dégueu. L'épaisseur, c'est pas mal. Donc, j'ai vu sur une autre vidéo de je ne sais plus qui que elle préparait ses pop-its avec le produit à l'avance et qu'elle mettait sur ses doigts et pour catalyser tout d'un coup. Donc je vais essayer pour les trois prochains de faire comme ça. On va bien voir. Donc je vais essayer en faisant donc sur plusieurs pop-its, en les préparant à l'avance et en catalysant tout d'un coup. On va voir ce que ça donne et je reviens près de vous. De toute façon, je vous passe ça en musique et comme ça, je reviens à la fin pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai terminé la pose des trois, donc voyons voir. Oh, c'est joli, c'est tout lisse. Oh là là, c'est tout lisse, c'est génial. Bon, je vais les raccourcir un chouïa, parce que je les ai encore fait trop grands, bien sûr. Alors, je vais essayer de le couper en biais. Un peu raté pour le biais, pour le petit doigt. Et on passe donc à la mise en forme. Qu'est-ce que ça donne? Franchement, je suis plutôt satisfaite. C'est pas mal. Maintenant, il faut juste que je trouve l'astuce pour les faire bien dès le départ en dessous. Parce que là, il y a une petite boule, par exemple. Là aussi, c'est pas très lisse, pas très creux. Le pouce et le petit doigt, ça va, en dessous ça va. Donc j'ai eu le problème avec les cuticules ici, mais j'ai pas de bulle d'air, donc ça va. Ouais, c'est pas mal. Donc vous voyez que ça, après c'est très brillant. J'ai déjà matifié celui-là puisque j'ai dû lisser au-dessus, mais que je vais devoir remettre du gel par-dessus pour le nail art. Donc il faudra de toute façon que je les matifie tous. Donc moi je vais faire mon autre main pour faire le nail art juste après, vous filmez ça juste après. Donc je vais clôturer celle-ci ici, je vais juste... Donc finalement on me revoilà parce que je voulais quand même tester sur Tips. Alors le Tips est à moitié déjà décollé, je sais pas pourquoi ça colle pas bien. J'ai acheté une nouvelle colle, donc c'est celle de chez Creutzwaldt, elle est rosée. Après elle est totalement transparente une fois qu'elle est sèche. Elle est à 3,49€, donc je me suis dit j'allais tester. Et j'ai également pris la essence pour tester aussi, mais bon, maintenant je vais ouvrir celle-là, donc on va utiliser celle-là. Et voilà, je voulais quand même tester sur Tips, voir si c'est comme ça sera plus lisse en dessous, si j'arrive à l'avoir aussi lisse au-dessus, parce que j'ai un peu foiré ma mauvaise main, comme vous pouvez le voir ici, et ici j'ai vraiment des grosses bulles, et d'ailleurs on sent, c'est souple, j'ai essayé d'en rajouter un peu par-dessus, mais... Ça camouflera le temps que ça tiendra. Après, je pense que c'est des ongles qui tomberont assez vite. Et je les referai à ce moment-là. On verra bien. Donc là, on va essayer sur Tips. Donc j'ai déjà mis le déshydratant et le primer. Et je vais mettre maintenant la base, donc juste sur l'ongle naturel. Et on catalyse donc une minute. Voilà. Donc ensuite, j'ai prélevé directement le produit sur le pinceau. Donc après, je vais essayer de le fermer correctement aussi. Donc comme c'est pour le pouce, je vais essayer d'en prendre quand même un tout petit peu plus. Point un trou, n'en faut. Donc ensuite, petite astuce que j'ai vue sur une autre chaîne,
c'est celle de Nyonnet, je crois. Vous faites sortir un tout petit peu de produit, un tout petit peu, j'ai dit, et vous fermez. C'est pour éviter qu'il y ait de l'air dedans. Donc on va essayer maintenant, j'espère que ça ne va pas coller le capuchon. Donc ici, on va déposer notre boule de polygène. J'aurais dû mouiller peut-être un tout petit peu mon pinceau pour pas que ça colle trop. Et on va travailler comme de l'acrylique. Donc après, je vais vous dire aussi ce que j'en pense par rapport à l'acrylique. Donc pas par rapport au gel, parce que j'utilise pas de gel, donc je peux pas vous dire la différence. Donc ça se travaille quand même relativement bien. Là, j'en ai mis certainement un petit peu trop. Bon, voilà. Ça me paraît pas trop mal. Donc je vais catalyser. Je vais essayer de catalyser quand même 5 bonnes minutes, je pense. Donc voilà ce que ça donne sur Tips. Alors, la forme, ça a l'air d'aller. Il faut que je le mette en forme correctement. Après, c'est sûr que c'est plus lisse en dessous. Donc ça, c'est génial. Après, ce que j'aime bien, justement, c'est le fait que ça soit si lisse avec les pop-its. Donc je ne sais pas vous dire ce que je voudrais faire. En même temps, c'est des premiers tests. Donc là, je vais le remettre en forme. Voilà pour l'application sur Tips. Franchement, je ne sais pas ce que je préfère. Je crois que je préfère quand même avec les pop-its parce que le rendu au-dessus est beaucoup plus beau. Sans côté les défauts, hein, parce que le premier, il y a juste énormément de bulles, les deux là aussi. Mais ouais, je pense que je préfère quand même avec le pop-it parce que le dessus est quand même hyper hyper lisse, hyper bien droit. Il n'y a pas besoin de retoucher la forme au-dessus et tout ça. Et pour le dessous, ma foi, il faudra juste que je m'améliore. Donc voilà, forcément c'est la première pose. Je peux pas non plus savoir faire tout correctement. C'est pas mon métier, je vous le rappelle, hein, c'est juste une passion. Donc ici, celui-là, ça tiendra absolument pas longtemps. Celui-ci, je ne sais pas, ça va encore parce qu'il y a juste une grosse bulle là, mais alors ici, c'est que des bulles, quoi. Il tiendra pas longtemps. Mais bon, il tiendra le temps qu'il tiendra et puis on verra bien par la suite. Donc pour ce qui est d'un petit débrief sur ce produit, eh bien écoutez, par rapport à l'acrylique, je ne sais pas encore ce que je préfère. Après l'acrylique, j'ai commencé à prendre la main pour le faire et je l'ai utilisé plusieurs fois. Celui-ci, j'ai utilisé qu'une fois. Mais comme je vous dis, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Après, ça a des avantages par rapport à l'acrylique. Par exemple, c'est déjà le monomère. Vous n'avez pas l'odeur du monomère. Le fait qu'il sèche sous lampe UV, c'est un avantage et un inconvénient pour moi par rapport à l'acrylique. Toujours pas par rapport au gel puisque je n'utilise pas le gel, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais voilà, l'acrylique, je trouve, sèche quand même relativement plus vite que celui-ci. Mais vous avez plus de temps pour le travailler, puisque si vous ne le passez pas sous la lampe, il ne sèche pas. Donc, avantage, inconvénient, voilà. Après, ça se travaille quand même pas mal quand vous le mettez sur Tips. Ça se travaille quand même à peu près comme l'acrylique. C'est pour ça que j'ai fait une préparation acrylique, d'ailleurs. Et voilà, après, il faut une base en dessous. Donc, ça fait encore un produit en plus à acheter. C'est une étape en plus à mettre, mais vous gagnez du temps avec les pop-its. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est à peu près, et question prix, ça revient relativement pareil, puisque ce kit-là n'était vraiment pas cher, et vous pouvez les trouver en format 30 grammes sur AliExpress ou sur le site officiel, et c'est pas bien cher, c'est même moins cher que l'acrylique, donc le dongle 24, je pense. Bref, donc question prix, c'est à peu près la même chose. Question application, sans les pop-its, c'est à peu près la même chose. Avec les pop-its, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc je ne sais pas encore si je préfère à l'acrylique. Disons qu'il faut que je me fasse la main et que j'aie un peu plus de recul pour savoir exactement lequel des deux formats je préfère. Après, j'ai encore deux pots d'acrylique à utiliser de chez Ongle 24, donc voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, par exemple, il reste ça dans le tube à peu près. Et j'ai fait qu'une pose, donc voilà, sur un 15 grammes, en sachant que j'avais fait un ongle qui était que j'ai dû enlever parce qu'il était pas beau, mais quand même, hein, voilà, il n'y a pas énormément de matière dans un 15 grammes. Après, je pense que j'en ai mis parfois un peu trop, d'où l'épaisseur un peu plus épaisse.
Après, il faut voir aussi ce que vous préférez. L'acrylique, on sait que c'est de l'acrylique. Enfin, on sait que c'est du fake parce que, voilà, ça fait quand même une couche plus épaisse que ça. Là, je pense que vous ne pouvez pas les faire super longs avec ça. Question solidité, je ne sais pas du tout. Apparemment, ça serait la même chose que l'acrylique puisque ça combine apparemment l'avantage du gel et de l'acrylique. Voilà. Je ne sais pas. Question solidité, je vous dirai ça aussi avec un peu plus de recul. Donc, je pense que, de toute façon, à la fin de l'année, pour les vidéos de décembre, je vais vous faire les favoris ongles. Et je pense que je remettrai, on y reviendra là, je vais essayer d'utiliser encore une fois, une fois ou deux d'ici là, et de me faire un avis un peu plus prononcé. Et voilà, donc je vous redirai plus sur les favoris de fin d'année. Ici, je vais juste vous montrer rapido, si ma caméra veut bien. Les swatchs des vernis qui étaient fournis avec. Donc celui-ci, je vous rappelle, c'est celui que j'ai eu en cadeau. Donc c'est le Snowflakes. Je ne sais pas si... Donc c'est des Sokoff. Et il y a la référence marquée nulle part. Ah si, ici. Shiny Snowflakes. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un argenté, toutes des paillettes argentées et holographiques dedans. Et il est vraiment très joli. Donc là c'est sur un tips blanc. Donc il est transparent quand même. Hein. Voilà. Ensuite, dans les petits pots qui étaient fournis, vous aviez donc 4 couleurs. On va essayer de le faire vite pour ne pas faire de bêtises. 19, 20, 21 et 22. Donc ça, c'est les couleurs qui étaient fournies avec. Donc je vous montre comme ça. Ici, c'est celui-là. Ici, c'est celui qui est juste magnifique. Le gris et le pêche, orange et pêche. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, celui-là est juste sublime. Quoi. C'est, je pense que je ne vais pas tarder à l'appliquer. Et ensuite, vous aviez des pailletés. Donc là, je ne vois pas bien les références. 24, 25, 23, 24, 25, 26. Voilà. Alors voilà les couleurs, j'essaie de faire vite avant que ça coupe. Hein. Celui-là, c'est celui-ci parce que c'est un. Alors celui-là, ok. Celui-ci, c'est un thermostatique, le 26. Donc je vais essayer de le remettre quelques instants sous la lampe pour qu'il change de couleur. Alors il n'y a que le vert qui était un peu plus compliqué à appliquer parce que les paillettes sont un peu plus en relief. Donc je l'ai trouvé un petit peu plus sec. Ces deux-là, ça applique comme un rien. Alors regardez-moi ces couleurs, quoi. Ils sont juste magnifiques. Alors, il change, merde, il change plus de température, celui-ci. Donc, je vous les montre d'un peu plus près avant que la caméra ne coupe. Ils sont canons. Quand je vous dis canon, c'est canon, quoi. Et l'autre, bah, il veut pas changer de couleur, mais oh, sinon, il devient un peu plus blanc. Franchement, de température, il devient un peu plus blanc. Voilà, donc j'ai appliqué deux couches sur chaque... présentoir, donc que j'ai fabriqué moi-même, hein, et j'ai mis une couche du top coat ici, et il est pas mal, hein, il brille bien et il s'applique très bien. Donc voilà, là je pourrais pas l'utiliser vu que je vais faire un nail art mat. Donc voilà, vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de MG Ganou et surtout sa vidéo si vous voulez le code promo qui va avec le site. Je ne vous le donne pas ici parce que c'est le sien, donc voilà, j'estime qu'une petite vue sur ces vidéos, ça ne fera pas de mal. Et on se retrouve donc samedi pour le nail art d'automne que je vais filmer juste maintenant. Et en attendant, je vous dis bisous bisous.